Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous et rien que pour nous et personne d'autre. Sauf tous ceux qui veulent nous rejoindre. Vous êtes le bienvenu. Chers amis, on est le 9 juillet 2019, 10h24, heure du Québec. Heureux de vous retrouver. Enfin, je suis sorti de, de mon problème de santé. Je peux vous dire une chose, c'est là que tu te rends compte que c'est vraiment important. C'est important et que on est, dans le fond, toujours hein, euh, seul dans la vie, tu es laissé à toi-même. Hein. Même si tu es entouré de gens, tu faut que tu fasses ton bonhomme de chemin et que tu fasses face aux épreuves tout seul. Il n'y a personne qui peut t'aider à faire preuve, à faire face à ces épreuves-là, à vivre ce que tu as à vivre, les émotions que tu as à vivre. C'est vraiment très important de comprendre ça. Il y a des gens qui sont autour de toi, mais ils ne peuvent rien faire pour toi. Tu comprends? Rien. Donc, c'est important d'être fort. C'est important de d'avoir une base spirituelle. Sans base spirituelle, quelle qu'elle soit, c'est pas important. Puis Je ne parle pas ici d'une base d'appartenance à une religion. Ça peut être ça aussi, mais c'est loin de ça dont je parle. Je parle d'une base spirituelle. Tu as besoin d'un fondement. Il peut être celui que tu veux. Il peut être aussi farfelu pour les autres que ça peut l'être, mais pour toi, si c'est ça qui te donne la force d'avancer dans cette aventure qu'est la vie, parce que c'est une aventure des plus bizarres, étranges, qu'on est dedans, on est tous dedans, qu'on le veuille ou non, on, est, on a été amené ici par le mécanisme de la naissance, hein? qu'on le veuille ou non, on est là. Puis, il te reste deux solutions, soit tu continues ou soit tu arrêtes. La plupart d'entre nous, on a décidé de continuer puis on, on fait un bonhomme de chemin, on évolue, on fait des recherches, on essaie de comprendre. Il y en a qui ne se cassent pas la tête, qui s'en vont gaiement avec ce qu'on leur a donné comme information de ce qu'était la vie, puis ils suivent le petit chemin de la tradition hein, familiale, de la tradition, de la continuité. La vie étant ce que c'est, tu continues, tu ne te casses pas la tête. Il y en a d'autres comme moi et vous, peut-être, on se casse la tête un petit peu plus et on essaie de comprendre un peu plus. Le, la nature de cette aventure-là, d'où on vient, où on va, c'est des questions qui existent depuis longtemps, préoccupent l'humain depuis longtemps, puis ça va continuer, parce que c'est, je pense, dans la nature humaine de se questionner là-dessus. Et si tu n'as pas de fondement spirituel, si tu remplis pas ton vide, ben je peux te dire une chose, c'est... C'est des aspects négatifs, c'est des aspects euh, vraiment euh, destructifs qui viennent remplir ça la plupart du temps. C'est à toi de prendre le contrôle de ça tout de suite et de remplir ça avec des graines euh, positives et solides et constructives. Sinon, on le voit hein, autour de nous, combien de gens ont détruit leur vie parce qu'ils ont laissé les graines négatives pousser. Mais on ne peut pas être à l'abri de ça, mais c'est important de le réaliser, puis d'arracher ces graines-là avant qu'elles prennent racine. Et c'est ça qui est le... Et ça, tu es seul dans la vie. Il n'y a personne qui va te dire ça. Il n'y a personne qui va t'aider. Tu es toujours seul. Parce que la plupart des gens qui sont là autour de nous ont des bonnes intentions, mais beaucoup sont là pour abuser de l'humain, à différents niveaux. Que ce soit juste au niveau financier, on va vouloir t'abuser. Les gouvernements sont là pour nous exploiter, ils ne sont pas là pour notre bien. Tu as des gens qui sont là pour nous détruire, veulent nous vendre des drogues, veulent nous convaincre que ça va tellement être extraordinaire si on sort de la réalité. Vous savez ce que je veux dire. Il y a plein de gens après ça qui viennent t'abuser personnellement, il y a plein de gens qui viennent vivre de, autour de toi pour essayer de te détruire par jalousie. Puis, ça, c'est le combat continuel auquel on a tous à faire face. Mais malgré tout ça, il faut quand même continuer. La vie dans son ensemble euh, est quelque chose de mystérieux, de grand, de beau, même dans ses euh, aspects les plus sombres. Mais c'est important d'être armé. C'est important de savoir que vous avez une force incroyable en vous. Ça, c'est important aussi. Ça ne vient pas d'ailleurs. Il n'y a personne qui va vous aider. Il n'y a personne qui va faire quoi que ce soit pour vous. Puis c'est quand tu es dans des moments où ta santé, par exemple, te réduit. À pas grand-chose que tu te rends compte qu'il n'y a personne qui va être là pour toi. Un exemple, si tu es malade pendant longtemps, tu n'as aucune forme d'assurance, par exemple, collective, c'est qui qui va payer tes factures? Ce pas ceux qui t'ont dit que tu étais beau et que tu étais gentil pendant longtemps. Eux autres, ils ne pourront peut-être pas, puis ils ne voudront peut-être pas non plus le faire. Donc, ta réalité va venir te rattraper. Moi, j'ai une amie, ben, une collègue de travail qui est devenue une amie euh, dans un des restaurants où je travaillais. L'an dernier, 55 ans, Manon, une serveuse avec moi, Célibataire, pas d'enfant, mais qui a vécu sa vie très très bien comme serveuse, qui a eu un accident euh, cérébral. Puis, moi, je suis arrivé au travail, paf Les serveurs, quand j'arrive à mon quart de travail vers 5 h quart, viennent tous en courant vers moi Jean, 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 Manon, 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 Manon est à l'hôpital, Manon est à l'hôpital, Manon est pas là, Manon est pas là. Est pas là, j'ai dit Ok, relaxé, qu'est-ce qui est arrivé Puis là, ils nous ont expliqué un peu. Il, on venait d'apprendre ça, donc on n'avait pas trop de détails. Elle a eu un accident cérébral. Le lundi matin, ils l'ont retrouvé dans, sur le plancher à la maison. Ils l'ont emmené à l'urgence. Finalement, les mois se sont écoulés. Moi, je l'ai vu à l'autre resto où je travaille, au petit déjeuner. Elle est venue me rendre visite. Elle est assise dans ma section. Écoutez l'histoire, OK? Elle est assise dans ma section. Là, l'hôtesse vient voir. Elle dit, Jean, il y a... Une parce que moi, j'arrive à mon corps de travail pour 11 heures, parce que je fais 11 à 4. Ils viennent me dire, Jean, il y a la table 32, la dame qui est là, qui veut te voir, elle t'attendait, elle était avec deux personnes. Alors je dis, ah ouais, OK. Là, je regarde à la table, ben, je ne suis même pas capable de reconnaître cette femme-là. Il y a deux jeunes avec elle, un couple, les autres, je ne les connais définitivement pas. Puis l'autre dame, je la regarde, puis, voyons. Puis moi, j'ai une mémoire d'éléphant, je me rappelle des commandes de tout le monde, je prends des. Cinq, six commandes d'affilée sans notes. même les gens ils me disent Comment tu fais? Parce que j'ai le don d'une mémoire extraordinaire. Là, je dis, Il faut que j'aille de toute façon, parce que je commence, il faut que j'aille prendre la commande. Puis là, je m'en vais à la table, là, je la regarde, je dis Apparemment, on se connaît. Puis là, elle me regarde avec un air un peu euh, moqueur. Puis là, j'essaie de la replacer, puis je ne suis pas capable. J'ai travaillé des mois et des mois avec elle il n'y a pas si longtemps. Je même pas capable de la reconnaître. C'était Manon qui était là qui était venue me rendre visite. Elle dit C'est moi, Manon. Hein? Je dis ben non, la grange. Ah, T'es pas sérieuse, man. J'ai dit, Ah oh mon Dieu! Et là, tout de suite, je lui demande comment ça va. Puis je dis, ben non, je te jure, je t'ai pas reconnu, man. T'as changé. La maladie l'a changé, c'est sûr. Elle, ça faisait trois, quatre mois qu'elle était. Elle était encore au, à l'hôpital, mais là, en, en soins prolongés. C'était une fille active, une belle femme en plus. Elle avait tout changé. La maladie, c'était un événement majeur, hein? Euh, Cérébrovasculaire comme ça. Et puis là, elle m'a raconté qu'elle était euh, changée d'institution, elle était en réhabilitation, là, mais que ça prendrait des mois, voire des années, que peut-être elle ne pourra jamais retrouver la motricité qu'elle avait avant. Elle était paralysée encore, elle était avec une marchette. En tout cas, ils ont mangé, faire une histoire vraiment euh, plus courte. Là. On a parlé un peu, Et là, ils ont mangé. Puis quand ils ont quitté, elle était à peine capable de se lever elle-même après quatre mois ou cinq mois de cet événement-là. Donc, elle, sa vie a changé. Puis comme elle m'expliquait, elle, elle n'a aucune assurance. Les serveurs, nous autres, on n'a pas de protection, on n'a rien. Et là, son appartement, qui va le payer? Elle dit, là, j'ai mes frères qui m'aident un peu, mais ils ne peuvent pas m'aider éternellement. Elle va faire face à quoi? Cinq mois d'assurance chômage? L'assurance chômage au Canada va couvrir à peu près ton salaire à 40 ou 50 même pas 40 je pense pour cinq mois. Si tu es malade et tu n'as pas d'assurance. Mais après ça, la couverture est finie et ta seule option qui te reste, c'est l'aide sociale. Donc, elle va se retrouver sur l'aide sociale parce qu'elle est euh, incapable de travailler pour longtemps en plus. Donc, imaginez, tu es à l'abri d'aucune catastrophe. Et ça, des récits comme ceux-là, des histoires comme celles-là, c'est plein, 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 plein. C'est une histoire comme des milliers et des centaines de milliers et des millions d'autres. Quand tu connais les gens, ça t'affecte plus. Mais c'est plein. Il y en a des millions. Des gens qu'on ne connaît pas. Ça leur arrive, tout ça. Et c'est le quotidien, c'est ce qu'ils ont à vivre. Tu sais, quand tu vas quelque part, tu marches dans la rue, tu croises des gens, il n'y a personne qui se connaît. Mais on ne sait pas ce que ces gens-là vivent. Ou ce que ces gens-là font vivre comme épreuve. On est tous dans le même bateau. Ce n'est pas facile. Mais c'est ça. Et c'est ça qui nous attend. Comment on va finir. C'est un mystère. Tout le reste qui nous entoure, c'est la société, le gouvernement, ça c'est une chose. Mais ta vie, toi personnelle, ta condition personnelle, comment tu vas finir, ça c'est une autre chose, mon chum. Et ça c'est vraiment important de conscientiser ça, sans en faire une obsession non plus, parce que tu vas tomber dans la folie. Ça non plus, ce n'est pas recommandé. Ce qui est recommandé, c'est l'équilibre. C'est de ne pas penser à ça non plus continuellement, mais d'avoir quelque part. Dans ta tête, que le pire peut te tomber sur la tête. Et comment tu réagiras? Ça, c'est le plus important aussi. Vas-tu réagir en mode panique, en mode contrôle, en mode hystérie, dépression? Moi, je vous avoue que quand j'ai été hospitalisé cette semaine, j'ai réagi en mode hystérie un peu parce que je n'ai jamais été hospitalisé de ma vie. Je me suis effondré, je me suis... Vraiment parce que ça vient vraiment te rappeler que waouh ta condition, la condition humaine c'est pas facile mon champ. pas facile. Mais il y a moyen de passer à travers, il y a moyen d'être armé. Puis je te dis que ce qui m'a aidé, ça a été le fait que j'ai une spiritualité euh, très très grande. Donc ça c'est le message que je voulais vous partager. Oui allô. Oui je te rappelle ok. Oui, oui, je te rappelle dans deux minutes, OK? Donc, c'est vraiment, vraiment important. Bon, là, voyez-vous, ça, c'est ma belle-mère qui m'appelle. Oui, comment ça va? Parce qu'elle a passé quelques jours ici pour être en présence des enfants et tout avec euh, mon épouse. Elle m'appelle, me dit Bon, comment ça va? Et patati patata. Mais, non. Même si je lui dis que ça va bien ou pas, ça ne changera pas sa journée puis sa vie. Donc, qu'est-ce que je veux vous dire en conclusion? C'est que faut être conscient de tout ça. C'est important d'avoir une base spirituelle. Ça peut être l'adoration la, la, des grenouilles, des sauterelles ou de n'importe quoi d'autre. Mais si tu as une base spirituelle, c'est certain que tu vas être plus fort. Tu vas avoir le choc, comme tout le monde, hein, d'une mauvaise nouvelle ou d'un drame. Mais après, peut-être que tu es en plus en mesure de te relever ou enfin de continuer quand même ta route dans l'adversité. Mais sans. Sans une fondation spirituelle, mon chum. Waouh! Il n'y a aucune façon de s'en sortir. Je vous reviens avec une histoire hallucinante, plusieurs histoires. Parce qu'il y a une histoire incroyable que j'ai entendue. Ça m'a arraché les larmes. Je vais vous en reparler tout à l'heure. Restez là, vous allez vraiment, vraiment comprendre c'est quoi la spiritualité, c'est quoi la magie de la vie aussi. Vraiment? Moi, je suis tombé par terre, j'en revenais pas, j'étais dans l'arbre, comme un petit bébé, imaginez-vous. Je reviens.